Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je m'appelle Ricat. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent, alors j'ai comme ça en ligne une boutique qui s'appelle Branch Beauty. Et depuis quelques années, nous vendons principalement des produits de beauté, comme vous pouvez voir à l'image là, des produits de beauté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler des produits de beauté. Vous avez plein de vidéos qui sont déjà postées sur la chaîne YouTube et même sur Facebook qui parlaient déjà des produits de beauté. Donc, je vous suggère de vous référer à ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est le nouveau concept que mon équipe et moi, nous avons mis sur pied qui s'appelle le live shopping des influenceuses. Alors, c'est quoi le live shopping des influenceuses? Comme beaucoup pourraient peut-être le penser, est-ce que ça veut dire que voilà, les influenceuses font des shoppings en ligne, en live et tout? Non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que, comme vous savez, les influenceuses, ce sont des personnes qui inspirent beaucoup de monde et qui ont souvent des choses très, très intéressantes à présenter. Parfois, ça peut être des articles qu'on se demande où est-ce que je peux trouver ça? Alors, c'est là où nous, on entre en jeu. Donc, l'idée, c'est de vous présenter des articles vraiment un peu hors du commun. Quand je dis hors du commun, c'est pas comme si c'est... puisque ce sont des articles qui existent, donc ce sont des articles, mais qui sont assez particuliers. Donc, vous avez une touche et vous pouvez créer comme ça votre propre look. Donc, je vais arrêter de parler, je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble. Donc, pour cela, il faut aller dans deux rubriques principalement. Il y a la rubrique boutique, chaussures, boutique shoes ou accessoires. Pour voir ces articles-là. Donc, il y a des vêtements, des chaussures, des accessoires de beauté comme les sacs à main, les bijoux, etc., etc. Et alors, je vous montre un peu. Ça, c'est des vêtements et chaussures. Quand vous allez dans ces pages, vous pouvez voir des articles, des différents articles. Ici, ça montre par exemple qu'il y a une vidéo. Quand vous voyez, c'est un signe, ça veut dire qu'il y a une vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo. Ou alors celle-là, ça dépend de celle que vous souhaitez regarder. Je vais piquer une vidéo comme ça, tout hasard. Si vous cliquez même sur Quick View, ça ouvre. Et vous pouvez regarder. Attendez, je réduis un peu ma grosse tête. Voilà. Vous pouvez défiler les images. Ça, c'est la vidéo, par exemple. Vous cliquez juste dessus, vous laissez quelques secondes et ça va jouer. Donc, ça vous présente l'article en vidéo. Donc, les vidéos viennent de l'article lui-même. Ce n'est pas des vidéos que, voilà, qui viennent d'ailleurs. Ce sont des vidéos de l'article même. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité comment dire, de décanter votre paiement en quatre. Malheureusement, je pense que ça marche seulement aux États-Unis, mais vous pouvez toujours essayer, hein. Voilà. Alors, le plus important, surtout aussi, c'est les mesures que vous prenez. Donc, je vais vous donner la liste des choses très, très importantes à tenir compte quand vous passez votre commande. C'est que, comme vous savez, ça, c'est des commandes qui viennent de plusieurs destinations. Donc, les expéditions peuvent prendre jusqu'à plus de 3 semaines. Donc, vraiment, soyez patient quand vous commandez. Aussi, mettez votre adresse correcte et complète. Quand je dis correcte et complète, vraiment correcte et complète. Et aussi, prenez des mesures quand vous commandez. Ça, c'est très important. Chaque article a des mesures. Si vous prenez n'importe quel article que vous voulez, si je prends ici Click View, il suffit de défiler les images de l'article. Vous voyez? Si je défile les images de l'article, voilà, je vais trouver la mesure quelque part. Et ces mesures sont très importantes parce que c'est comme ça que vous prenez la pointure qui est la vôtre. Donc, n'achetez pas juste la chaussure parce qu'elle vous plaît ou parce que vous pensez qu'elle a votre pointure. Vous savez, les tailles diffèrent selon les régions. Il y a des tailles américaines, des tailles asiatiques, des tailles européennes, etc. Donc, assurez-vous que vous avez mesuré tel que c'est expliqué. Il y a une image ici, je vais vous montrer. Il vous demande de prendre la mesure de votre pied. Voilà comment on mesure le pied. Donc, tout ça est expliqué sur ces images-là. Et aussi laisser une marge de 0 à 1,5 cm par
mesure parce que le pied doit rester avec un peu d'espace si vous voulez, hein. Donc, mais tenez en compte parce que c'est comme ça que vous aurez une chaussure soit serrée, soit une chaussure ample. Donc, tout ça dépend de vous. Même les bagues, si vous commandez des bagues, vous devez prendre la mesure de votre doigt avant de choisir le numéro de votre bague. Ouais, c'est comme ça. Et même les habits, c'est comme ça. Donc, prenez vos mesures. Vous-même, vous pouvez utiliser une mesurette comme celle-ci. Vous prenez vos mesures. Et puis, une fois que vous avez pris vos mesures, vous pouvez l'écrire sur le papier. Et si vous ne comprenez pas ce que ces mots veulent dire, ben c'est simple, utilisez le translator, utilisez un traducteur pour traduire ces mots pour vous et vous saurez exactement ce que chaque mot veut dire. Et puis vous prenez votre mesure et tout ce que vous avez à faire, c'est regarder le nombre qui correspond à votre mesure. Et aussi pour les habits, laissez quelques marges de centimètres, 2 à 3 centimètres d'erreur. Ça dépend de l'article. Donc vraiment, lisez ce que chaque article vous dit avant de choisir votre commande. D'accord? Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, contactez-nous. Nous serons toujours là pour soutenir. Allez, merci beaucoup et à bientôt sur le live shopping des influenceuses. Créez votre propre look d'influenceuse. Bye bye!